Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Robocraft, toujours dans la Robocraft, dans les Robocraft Days hein, plutôt. J'hésite toujours entre Robocraft Week et Robocraft Days. Je vous rappelle que ma tour est toujours en état de choc hein, soyons honnêtes. Donc c'est assez catastrophique. Elle est toujours réparée, entre guillemets, en cours de réparation normalement, j'espère qu'elle est arrivée en tout cas chez son constructeur. Un monteur plutôt. Quoi qu'il en soit, chers amis, nous partons en team deathmatch avec notre notre sniper, hein, sniper SMG, vous vous rappelez, qui est assez efficace, je dois reconnaître. Et peut-être qu'ensuite nous partirons faire un robot. Pour le prochain épisode, nous partirons faire un robot de petite envergure et voir ce qu'on peut en faire. Si je peux par exemple vous le mettre, le Made in Marcus entre guillemets, que je puisse vous le mettre directement dans. Bah, le truc de vente. Alors. Alors. C'est parti, mon kiki. Pousse-toi. Faut aussi qu'on fasse un petit comme ça. Hein. Enfin, là, c'est un plus gros. C'est pas ça que j'imagine en fait. Mais j'ai une petite idée sur un truc que j'aimerais beaucoup faire. Hein. Apparemment, ça se barre par là-bas. Hop, on garde les SMG actifs, comme ça il n'y a pas de rayon laser. Allez, monte. Tant qu'on ne voit rien, je préfère ne pas mettre les snipers trop rapidement. On peut rien spotter d'ici. Hein. Rien du tout. Oh, voilà, ça touche. Ok. Discrétion, chers amis, restons discrets. Spotted. Ce que j'ai peur, c'est d'être contourné, littéralement. Hein. C'est ma frayeur. Oh. Et tu pourrais me regarder quand tu me tires dessus, s'il te plaît? Allez, tire! Voilà! Oh là là! Quoique, regardez ça, regardez ça, regardez là-haut, regardez là-haut! Bah alors, tu tires ou pas? Tu tires pas, pardon. Oh là, je suis mauvais. Tire comme il faut, Marcus, mon dieu. Hop. Voilà. Il est en train de tomber. Et croyez-moi, il est pas prêt de se faire réparer. Oh, le lag. Hop. Mince. Je gâche mes tirs pour une raison que j'ignore. D'accord, il y a le truc devant moi. Ok, merci de finir mes mecs. Toujours cool. Oh, pourquoi je passe à côté? Ah d'accord, il y avait sans doute un truc devant. Bon, bah encore une victoire de canard. Encore une victoire de canard, chers amis. C'est génial. Bon. Bah normalement c'est 5 défaites, une victoire, mais on peut mettre à 2 victoires quand on n'a pas fait de défaite. Si la première partie est une victoire, on se permet d'en relancer une autre. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais avant, est-ce qu'on a assez, chers amis, pour se payer ma motte, d'accord, il n'y a pas plus gros, on est d'accord, à part ça, les méga wheels, il n'y a pas plus gros. Non, bon. On peut s'en payer deux, parfait. Hop, crac. Voilà, bon. Chers amis, bonne nouvelle.
Nous avons les moyens de vous faire parler. Non, c'est pas ça. Pardon, excusez-moi, j'ai craqué mon slip. Alors. Hop. 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 Histoire 2. Crac. Crac. Voilà. Hop. C'est plutôt bien tout ça. Ok. Hop. Et normalement, il faut qu'on puisse les placer. Alors justement à ce sujet-là, pour qu'on puisse les placer, on va faire comme d'habitude, chers amis. Le coup du j'en place un paquet. Je prends les fameuses jambes et j'essaie de les placer en dessous. Ok. Alors elles sont quand même balèzes, hein. Reconnaissons-le. Hein. Reconnaissons-le, chers amis. Hop. C'est pas le bon truc. Hop. Comment je vais faire pour le ramener jusqu'au bout, celui-là? Ouais, ouais, c'est bon ça, chers amis. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on m'a conseillé sur les mégas de pas mettre justement ce côté-là. Exprès pour pas gaspiller de hop. Hop, trop de place, même si j'imagine qu'avec 7000 et quelques on est bon normalement, hein, merde. quoi qu'il en soit, moi je vais les mettre sur le principe de, c'est un essai après tout, on est tous là, hein, en train d'essayer, chers amis, hein. Je précise. Hop. Crac, ok, ça c'est bon. Est-ce que c'est un bon choix par contre de le mettre ici? Ça par contre c'est une véritable question. Pour ce côté là, pour ce cube là, je vais mettre ça. Quoique non, ça protège pas des masses ça. Hop, enfin c'est pas que ça protège pas des masses comme je viens de le dire, mais c'est surtout que... Hop. Ok, j'ai mis un cube quelque part, je sais toujours pas où. Merci le jeu. Ok. Jusque là, moi, ça me va. Je vais juste recouvrir chaque surface, histoire de le cacher un petit peu. Encore une fois, comme je l'ai dit, je n'ai aucune idée du principe. Vous voyez, comme là, par exemple, il n'y a aucune raison normalement qui se passe pas, mais il passe pas. Ok, c'est pas grave. Hop, parfait. Là c'est un... Ouais, c'est une partie plate. Non, ça je vais pas le faire. Je vais pas le laisser comme ça malheureusement. Ça je peux pas laisser un cube comme ça. S'il y a le moindre tir qui passe, je me fais avoir. Donc non, c'est pas possible ça. Hop. Comment je vais placer un truc ici? Celui-là, non? Non. Simplement, non? Tout simplement. Hop. Est-ce que ça fait un défaut quelque part? Peut-être ici, non? Même pas. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un défaut en fait, ça. Hop. Crac! Voilà. Hop. Voilà.
Et là, on se retrouve bah, pas du tout à un pied d'égalité, malheureusement. C'est ce que je cherchais. C'est pas le bon truc que je cherchais non plus. Où qu'il est coulé celui-là? Là. Ok, bon bah c'est pas grave, écoute, hein, y a pas de soucis de ce côté-là. Hein. Si tu veux pas le faire, tu veux pas le faire. Je ne vais pas t'y forcer. Hop. Là, il veut pas du tout non plus. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, pour l'instant, ça ressemble à ça. Ce qui ne ressemble strictement à rien, soyons honnêtes, hein. Ça ne ressemble à rien du tout. Essayons de faire une armature correcte. Essayons de garder cette forme-là, sur le principe. On va même de la baisser d'un cran en entier. Hop. Ça permet de garder une espèce de forme. Ok. Hop. Sur le principe. Non. Je te mets correctement, s'il te plaît. Merci. Voilà, hop. Ok. Voilà, alors. Maintenant, le tout, c'est de savoir comment qu'on va organiser ça à l'intérieur pour que ce soit solide. Hein. C'est là qu'est le véritable dilemme. Hop. Ça, ça solidifiera un petit peu l'engin. Oui, je sais que t'as l'impression de tenir sur rien du tout et c'est un peu le cas, mais t'inquiète pas, ça va venir. Hop. Voilà. C'est parfait qu'on ait le cube ici en fait. Parce que moi, ça va me permettre de tester 2-3 petites choses. Hop. Rien poser dessus, c'est cool. Merci le jeu, comme on dit. Ok, déjà ça. Sur le même principe que le robot qu'on a nous déjà, chers amis, on va garder un système de d'armature de ce genre. Hop. Histoire de le garder toujours assez solide. Hein. Ici, hop. Essayons de nous mettre d'accord. Hein. Voilà. Alors j'ai conscience, enfin j'imagine en tout cas, qu'un méga ne se construit pas comme un TX, chers amis, hein, de ce côté-là. Hein. Y a pas de problème. Hein. Enfin comme un T10, pardon. J'en ai conscience. Attends, d'ici là que je comprenne comment je dois faire,
On en est malheureusement assez loin. Hop. Ça maintient la cohésion du truc, ou pas? Ça maintient la cohésion du truc, ça lui fait des fesses, c'est bizarre. Ouais, pourquoi pas. Hop. Ce qui fait qu'ici j'ai besoin. Ça devrait pas être ça. Ah, c'est bon, j'ai compris mon erreur. C'est bon. Ok. Hop. Hop. Un peu plus ennuyeux, voilà, c'est que c'est ça. C'est là que je m'étais planté. Ok. Effectivement, là, ça me semble plus cohérent, pardon. Voilà. Non, je peux avoir un... Merci. Là, effectivement, ça me semble beaucoup plus cohérent. Ici, on m'avait dit que c'était ça. Enfin, on avait dit que c'était ça, pardon. Alors, il va falloir que je précise, parce que je viens de me planter, je viens de dire une connerie. C'est bien un robot que je fais moi-même, hein. Je précise quand même au cas où, mais... lui donne des grosses cuisses. Ce qui, après tout, n'est pas si mal. Hein. Ça ne me dérange pas, les grosses cuisses. Au contraire. Hop. Voilà. Bon. On a une base, on va dire, de jambes. Qui, à mon avis, n'est pas trop mal. Comment je peux réaliser un truc ici pour sauver ce cube? Comme ça, ça passe? Ouais, ça passe. Non, ça fait un cube normal en fait. Là. Bon, c'est pas grave. Ah non, c'était bon. C'était bon, mais c'était pas vraiment l'objectif. Donc bon, écoutez. Hop. Ok, c'est pas grave. Bon. Bon. Alors. Je vais repartir sur un principe de colonne vertébrale qu'on avait pu voir dans certains autres robots que j'avais fait. Je trouve que c'est un excellent maintien. Ok, et on va en mettre une sur deux. Donc à partir d'ici, je dirais. Regarde plus ou moins la tête que c'est censé faire. Hein. C'est pas trop mal. C'est plus ou moins ce à quoi je voulais, ce à quoi j'espérais, ce que j'espérais justement. On va y arriver. Hop.
Hop. Voilà. Alors, on va commencer par entre guillemets le dos. Hop. Si je peux en garder qu'une ici, ce serait même pas mal. On verra ça tout à l'heure, mais ce serait pas mal. Ok. Ok, c'est pas trop mal. Et donc, justement pour maintenir un peu plus. Hop là. Voilà. Crac. Oups. Pardon, erreur de ma part. Voilà. Ok. Commencez à vous douter de ce qui va se passer, chers amis. Hop. Déjà, il lui faut un moule couille. Hop. Hop. Voilà. On va dire ça comme ça pour l'instant. Ok. Alors où est-ce que je vais le trouver? Là, par exemple. Hop là. Hop. Faire ça comme ça pour l'instant, ça va monter plus haut, c'est pas grave. Ok. Jeunes gens. Ok, on y est. Hop. On y est. C'est pas trop trop mal. C'est pas trop trop mal. Ok. Ok. Hop, s'il vous plaît, merci. Et normalement. Ça touche. Ça touche, c'est parfait, ça marche. Putain, je fais un truc qui marche. C'est rare, c'est tellement rare, chers amis. En tout cas, ça correspond à ce que je voulais. Ce que j'espérais, quand même. Hop. Ok.
Bon. Bon, bon. Alors, chers amis, je vous rappelle que niveau armement, nous avons à l'heure actuelle 0 méga SMG, forcément. Elles sont sur ce robot qui est assez inutile, je le reconnais. Je le reconnais même volontiers. Hop. Pardon, ce robot. Du coup, on le dismantle, hein, on avait bien remarqué qu'il était inutile. Et on reprend la construction de celui-ci. Et donc, je vais vous montrer quand même un truc. Sur une surface. Hop. De 4 par 4. Normalement, elle ne tient pas. On est d'accord? C'est bien ça. Hop. Donc. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas? Ah, c'est parce que tu rentres en contact avec le truc. Bref. Bon, alors attends, je vais t'avancer encore un peu. Je vais faire ça comme ça, chers amis. Hop, vous allez voir, vous allez comprendre. Hop. Je touche encore. Apparemment, je touche encore. Bon, c'est pas grave. Je vais la jouer jusqu'au bout, cette partie, chers amis. Hop. Voilà. Hop. C'est juste pour la forme, vous allez comprendre. Et quand je dis pour la forme, je peux pas être plus précis. Hop. Hop. Voici la configuration qu'il faut pour obtenir donc les spots, les emplacements des commandes, des branches, des pieds de notre méga SMG. C'est-à-dire 4 de large sur 4, vous pouvez voir, il y en a 3, enfin 3 de large au centre et 4 pour rejoindre les deux. Donc, ça veut dire qu'il y a un point central entre guillemets qui est ici. Vous pouvez voir, il y a deux de chaque côté, même pas. Enfin, un point central, il n'y en a pas vraiment, il est là en fait. Entre les deux. Si je me trompe pas. Hein. Bien que. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut se permettre de partir. Deux en avant. Hop. Deux en arrière. Et que normalement. Oula. Normalement, ici, j'en ai mis un sous les aisselles, excusez-moi. Enfin, au niveau des aisselles. Hop, normalement ici elle tient sur ses pieds. Littéralement. Et c'est un échec. Voilà, j'ai essayé de me la péter. Oui, effectivement, j'ai oublié un cube ici. Voilà. Hop. Et donc là, notre bonhomme a ses bras. Ses fameux bras. Hop. Ok. Nous avons donc entièrement je sais plus comment je voulais le faire. Ah, ah, malheur au désespoir. Hop. Voilà, c'est ça. Ok, voilà, hop, j'économise un maximum d'espace, pas de cubes surtout, c'est surtout les cubes que j'économise, d'accord, donc voilà, donc ça veut dire que normalement ici on rejoint l'avant, j'espère que je me trompe pas, parfait, 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 jusque là je me trompe pas trop, ce qui est une bonne chose. Et donc, comment que je vais faire pour accrocher ça ici, par contre? Ah ah. Ah ah. Réflexionnons, chers amis, réflexionnons. Ou alors je réflexionne ça plus tard.
là je ne peux pas parce que ça mène directement à une place. Un des fameux spots. Hop. Voilà. Hop, voilà. Bon. Jusque là, ça, ça le fait. Ensuite, nous n'avons à l'heure actuelle qu'un seul armement. Ça me déplaît. Alors, honnête, ça me déplaît. Hop. Cependant, normalement, nous avons l'espace ici. Normalement. Ah. Apparemment, ça, c'est incompatible with méga module. Ah bon? Apparemment, j'ai pas le droit de le mettre avec un méga. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Ce qui réduit considérablement, en fait, la quantité de... Bon, bah, c'est pas grave. Hop. Moi qui pensais qu'on allait avoir le droit, bah, je suis vexé. Je l'avoue, je suis complètement vexé. Bah, il faudra qu'on achète d'autres... D'autres trucs. Il faudra qu'on achète aussi ces trucs-là. Ça, malheureusement, il va falloir qu'on attende un petit peu pour ça. Mais écoutez, ce que je propose, c'est qu'on va attendre un petit peu, maintenant qu'on a construit tout ça. Hop. C'est pas, on peut pas, de toute façon, on peut pas en avoir un de fonctionnel avant la fin de l'épisode là. Un véritable fonctionnel, c'est pas la peine. Il nous faudrait beaucoup plus. Vous voyez, on est à peine à 2000 points sur les 7575 qui nous sont proposés. C'est clairement pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Donc, et bien écoutez les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, nous faire trouver dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à nouveau. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.